Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de crossfit. On va faire un tout petit échauffement, ensuite on va tout de suite attaquer le crossfit pendant 10 minutes. On va alterner deux mouvements et pendant ces 10 minutes là, plus les minutes vont passer, plus on va augmenter le nombre de répétitions. Donc le premier mouvement ça sera des burpees. Et le deuxième, vous allez vous servir soit d'une bouteille, d'une haltère, d'une medicine ball, d'accord? Là, ça sera un squat où on va venir descendre en mettant la balle entre les jambes et on remonte au niveau des épaules en expirant et on redescend, d'accord? Donc un petit mouvement de balancier comme ça, en soufflant bien, plus les burpees, d'accord? Voilà, on commence tranquillement l'échauffement. Donc on va échauffer un peu les épaules. Change de sens. Voilà. Change d'épaule. On change de sens. Donc l'échauffement ne va pas durer très longtemps. Parce qu'on va tout de suite envoyer, d'accord. Donc on va essayer de mobiliser les parties du corps qu'on va utiliser, qu'on va solliciter. Voilà, bras tendus. Change de sens. On va un peu chercher sur les côtés. On double. On arrive au niveau des genoux, on monte, on descend. Rotation dans un sens puis dans l'autre. Montée sur pointe. On va venir prendre sa bouteille, son haltère ou son kettlebell, si vous en avez bien chez vous. Et on va simplement venir faire 10 répétitions. Voilà. On essaie de maîtriser le mouvement, le dos droit, les fesses en arrière. Je descends, je remonte au niveau des épaules, j'expire. Les genoux, toujours soit dans l'axe, soit légèrement vers l'extérieur, jamais à l'intérieur. Pareil, le burpees, on va faire 3 burpees. Donc là, ça sera sans saut. Ceux qui ont besoin de plus de difficultés, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le saut. Et ça sera sans la pompe. Donc là, hop, hop. Je reviens, je remonte. Si c'est un peu trop facile pour vous, vous pouvez faire hop, hop, main derrière la tête, je saute. Et si c'est encore trop facile pour vous, vous sautez, bras tendu. Ok, donc là on est parti. Donc on commence avec 3 burpees et 10 mouvements comme ceci. Pour les burpees, on va de 3 en 3. Et pour le mouvement de balancier, on va de 5 en 5. Donc on va augmenter à chaque fois. Je vous le dirai. Allez, on se met en place. 15 secondes. C'est parti.
ça fait 3. 3, comme d'habitude, dans les 1 minute qu'on a à faire, on a notre repos, notre effort, notre récup. Donc là, pendant le restant du temps, je commence à me préparer. Donc là, ça va être mouvement de balancier. On se prépare. Là, on essaie vraiment de garder le droit quand on va descendre et les fesses en arrière. Important. Allez, on place. C'est parti. 1, 2, 3. Attendu. 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Fin de la deuxième minute. Donc pour l'instant, normalement, tout va bien. On repart sur 6 burpees. Je vous ai dit, on monte de 3 en 3 et de 5 en 5. Donc vous verrez, plus il y aura de répétitions, plus il faudra aller vite et bien. Et surtout, il faudra faire le nombre de répétitions demandées. Ce pour qui c'est facile, on saute, les autres pas de saut. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va à 6. Fin de la troisième minute. Prépare son haltère, sa bouteille, son cotel. Et là, ici, on va passer à 15. Allez, 10 secondes. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà, vous allez à votre rythme. Tant que vous finissez dans les temps, moi il me reste 30 secondes de repos. On profite pour aller voir. Et là on va passer à 9 burpees. Allez, en place. C'est parti. 6, 3. Termine. Ceux qui ont fini, récup. Si on va passer à 20, allez, 10 secondes, on se met en place. Allez, c'est parti. Allez, on souffle bien haut.
N'inspire bien en bas. 10. Et 20. Prochain, 12 burpees. 12 burpees. Allez. Secondes de repos. Vous voyez que les taux se resserrent. Top, c'est parti. Allez. Prochain 25. 10 secondes de repos. Allez, c'est parti. Allez, on souffle bien en haut. À fond, vous voyez. On a une minute pour en faire. 25. Allez. Et 25. Et les autres 10 secondes de repos. Allez, 10, 20, allez, fini, vous continuez. Je sais que ça peut être dur pour certains. Les autres, je suis fier de vous.
Donc là, on commence à boire un coup. On s'arrête. On va faire deux petits étirements rapides. Les autres finissez. Essayez de rattraper votre série. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Alors, on va utiliser un peu les bras. Donc on va venir comme ceci, tirer sur le bras. On relâche. On prend le même bras. On vient le ramener vers nous. On relâche. On relâche. On relâche. On va venir tirer. Sur les quadrilles. Vous pouvez faire cet étirement là au sol. Hein. Moi je le fais debout. On va venir s'appuyer sur la balle. On va venir chercher devant. Ensuite derrière. On revient. Et on relâche. Et on se relève. Voilà. La séance elle est terminée pour moi. J'espère qu'elle vous a plu. C'est que 10 minutes de travail, mais si vous vous donnez à fond, je peux vous dire que vous travaillez vraiment. Ceux qui n'ont pas réussi, n'hésitez pas à réutiliser cette séance. Ceux qui ont réussi, comme je vous ai dit, plusieurs évolutions, vous pouvez augmenter le poids, les répétitions. Et pour moi, c'est terminé. Donc je vous dis à la prochaine.